avec d'autres parents, on a trouvé qu'il y avait une charge de travail assez conséquente à l'issue de la journée d'école. Donc on a un petit peu réfléchi à ça, au stress que ça peut occasionner chez l'enfant, bien sûr. Donc c'est ce qui nous a motivés dans la démarche de solliciter l'école et la direction d'école pour qu'ils réfléchissent sur le sujet ensemble avec les instituteurs. Je pense que ça va pousser l'école dans les prochaines années à se questionner sur comment faire réussir les enfants sans peut-être passer par les devoirs. Et une de nos activités phares qui plaît aussi bien aux enfants qu'aux parents, qu'aux instituteurs, qu'aux membres de l'association, c'est l'activité sécurité routière qui consiste en une balade vélo sur les chemins de la commune. Donc on a essayé depuis l'année passée de mettre en place un système de poubelles pour déjà motiver les enfants à jeter leurs papiers dans la poubelle, ce qui n'est pas toujours facile. L'élément déclencheur quand même, ça a effectivement été ce parent de l'école 16 qui distribuait des tracts. Ça nous a permis en fait de tout simplement prendre contact avec d'autres parents, de proposer des réunions. Je dirais que d'une part, il faut clairement dire que on avait un petit peu amorcé la chose avec les réunions préalables avant l'interpellation citoyenne. L'interpellation citoyenne en fait est venue un petit peu vraiment donner tout l'élément spectaculaire. On a eu l'aménagement du forfait où plus de souplesse offerte aux parents, donc une économie de ce côté-là. On a également obtenu la mise en place d'un système de tickets pour des garderies occasionnelles. On a réussi à diminuer le prix du temps de midi pour augmenter celui du soir en compensation. Mais en fait, c'est une économie énorme vu que le temps de midi est obligatoire pour tout le monde. Alors comment on l'a mis en route? Déjà l'idée d'abord, est née assez vite quand on a repris l'association de parents. C'était justement d'essayer d'organiser un événement qui puisse mettre les enfants en avant. Là, c'est vraiment un événement qu'on essaye de monter en tout gratuit, de ne pas devoir sortir un seul euro avant de commencer, et c'est possible, on y parvient. Et donc voilà, il faut oser franchir le pas, et voilà le résultat. Aucun moyen financier n'est engagé, juste de la bonne volonté de la part des membres de l'association, des parents qui sont volontaires pour nous accompagner et encadrer leurs enfants. Voilà mes jolis gants. Un message qu'on entend souvent, c'est que les gens n'ont pas le temps. Et donc effectivement, on n'a pas le temps. En fait, personne n'a le temps. Et le temps, il faut le créer. Et donc, il faut décider de faire certaines choses, de ne pas avoir peur de les faire et d'être vraiment acteur de certaines choses. Être partie prenante avec le temps qu'on a donné d'une association des parents, ça permet de voir comment fonctionne cette école et éventuellement d'aider à son meilleur fonctionnement. Et je trouve que ça, c'est la manière dont moi j'envisage le rôle de parent. Et puis je pense que c'est comme ça que nos enfants, dans cet encadrement-là, que nos enfants profitent au mieux de l'école et de leur enfance aussi.